C'est donc parti pour la reprise de ce tournoi. Alors, ça donne quoi du coup? Oula, Mika Mika. Exactement, le match Paris-Lille. FT3, en cette une heure bracket. Deux Hermika en meilleur match du coup. Ça marche. Donc c'est parti, hein. Donc Luffy c'est le bleu, tout bleu, bleu rose. Donc c'est donc parti, hein. Là Ryuk qui va se manger quand même une belle petite chop, le beau petit combo avec l'arbre MP. Et là le HK par la suite, Reka en X, là ils se retrouvent dans le corner avec le stat qui monte pas peu. Et là Nadeshko qui arrive, une deuxième Nadeshko, oulala, ils savent plus s'embrouiller, hein. Il y a deux filles là, deux jumelles, ils savent plus où ça vient, où ça part. Par contre voilà, il va quand même mettre ses Reka, il se fait chop spé une nouvelle fois, et ça va tuer. C'est que quand il y a deux vitrigars, ça veut plus rien dire du tout. Hein. C'est clairement ça. C'est pas Nadeshko, ouais, il y en a deux. C'est à lui. Ça, c'est la mienne. Donc, c'est donc parti. Hein. Là, c'est Luffy qui va remporter en tout cas ce premier round en X. Hein. À faire quelques lights, quelques normaux, histoire de presser un peu son adversaire, redescendre HP avec la voix MP, repousse contre le mur, du coup il refait MP, et là il réussit à reset son adversaire, le stun qui augmente peu à peu avec le Reka, là le stun qui ne peut vraiment redescendre avec l'HP, quel cas, la petite chop qui va pas rentrer, hein, qui va limite volontaire, du coup il fait son petit light juste après, et ça va tuer, hein. 1-0 pour Luffy. Ça va très 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 vite. Hein. Un setup, c'est fini. Hein. Un seul setup. C'est donc parti pour le deuxième match. Donc, je vous rappelle que c'est un FT3, hein, c'est une à braquette. Là par contre là Ryu qui va faire un petit front jump. Et là il a pression. Tout à l'heure il a mal parlé, là il prend cher, hein, pour le moment. Là il redescend. Là il va te comprendre. Hein. En fait, il met quand même le stun, redescend HP avec le MP, il va faire le MP là. Par contre, il y a Nadeshko qui arrive, hein. Malheureusement, là c'était celle de Luffy en tout cas qui va mettre le HK avec le light derrière. Hein. Et là, c'est que c'est, on peut pas commencer, vraiment pas comment s'y prendre avec ce HK. Est-ce qu'elle a le droit aussi en mirage de faire le LK? Par contre, en tout cas, elle va se faire choper dans le corner, redescendre, même pas profiter de ce V-Trigger pour OS et récupérer directement celui-ci dans les airs en chop, hein, tout simplement. Et là, pratiquement les mêmes ressources. Hein. Et là, Luffy qui va faire un petit front jump hit, qui va choper gentiment. Front jump une nouvelle fois avec le HK. Double light, la petite roll qui va rentrer par la suite. Il redescend. Non, il n'y aura pas le temps de faire le HP. Hein. Et là, il recommence une nouvelle fois avec le beau petit Reka. Hein. Et là, c'est Ryu qui se retrouve dans le corner gauche, qui va se manger derrière le hit en qualité de tronc combo. Une nouvelle fois, combo avec le Reka. Et ça recommence. T'as pas le temps. Même si tu ramènes Nadeshko, t'as pas le temps d'attaquer, hein, tout simplement. Surtout à l'activation de ce V-Trigger. T'as pas le temps. Et c'est donc parti, hein, pour ce troisième round. Hein, ça fait déjà 1-0 pour Luffy. Redescente avec le HP. Et ah, c'est pas rentré, hein, à cause de cet anti-air. Le Reka qui va rentrer assez gentiment. Le MK. Et là, ça va mettre LK, MK juste après l'avoir HP. Par contre, très bel anti-air. Hein, très beau réflexe avec la chape. Le back throw qui va juste pousser, en tout cas, sous Luffy dans ce corner. Le reversal, hein, ça a bien été gardé en tout cas. Redescente, hein, en crossbody. Redescente HP une nouvelle fois. Et c'est reparti avec le combo. Tout simplement. Ouh, il a essayé de reset avec son HP. Nadeshko a quand même été mangé. Il a pu récupérer avec ce front jump, hein, avant MP. Et du coup, là, c'est Ryu qui récupère un entière. Ça va peut-être pas suffire. Hein. Il a fait avant MP une nouvelle fois. La vie qui descend peu à peu entre son adversaire. Le Reka qui est pas rentré en entier. Et du coup, là, c'est très 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 serré. Hein. Et le LK de Ryuk qui va lui faire win un match, un partout, en CFT3. Là, il sent bien Ryuk. Hein. Là, il est,
Il a gagné un match déjà, c'est déjà pas mal. Il faut juste qu'il gagne tous les autres matchs maintenant, parce qu'il en reste quand même deux. C'est donc parti à West Margin Shop pour commencer Luluffy. Luluffy qui va quand même en tier par la suite. Le HK c'est très bien joué. Et il va même pas en tier, il va juste cross down avec la belle petite roll. Et là le front drop HK une nouvelle fois. Et il fait l'avant le BMP hein, qui va toucher un peu son adversaire, mais par la suite il n'y a rien du tout. Par contre là c'est Luffy qui se trouve un peu dans le corner, qui sort le MP hein, mais qui n'a pas touché. Et là c'est double cross body qui redescend, qui va. Tu sais même pas si quel perso va toucher en tout cas. Et là le HP une nouvelle fois cross counter et la shop spé en tier. En ex, très très bien joué. C'est donc parti pour ce deuxième round. Et là, une nouvelle fois, la Luffy qui va commencer son combo, en tout cas ce round là avec les skills ex. Et là, c'est une fois, et puis ça renvoie des mêmes. Et ça va même recommencer. Voilà, il s'échange des récas ex assez gratuitement en ces débuts de round. La petite drogue qui va rentrer, le LP, le coup de fesse. Et là, du coup, Ryuk, il se retrouve presque avec le stun. Ouh, V-reversal, très bien ça. Du coup, c'est frame d'invalidité. Tu touches même pas la Nadeshko. Hein. Ça, c'est très bien joué. Hein. Le HP qui va pas toucher. Le Eureka qui va pousser une nouvelle fois, en tout cas Ryuk dans le corner. Le MK qui va pas tuer, malheureusement, c'est zéro vital. Et le trade. Et c'est dans le transport en commun, tout simplement. Et c'est donc parti en tout cas pour ce troisième round. Hein. Un partout et c'est cet équilibre de round également. Et là, Ryu qui va mettre un peu de pression avec quelques LP. Là, par contre, voilà le Reka qui n'a pas touché, qui n'est pas punissable hein, malheureusement. Ça redescend avec le HP en trade une nouvelle fois. La chope qui est sortie beaucoup trop tard. Du coup, c'est Ryu qui va se manger justement sa chope de la part de Luffy. Le cross-up qui a été très bien gardé. Le MK par la suite aussi. Le front-jump MK. Et là, ça va jouer que seulement sur des light. Ça joue vraiment que light hein, pour pouvoir mettre tout simplement les Reka par la suite. Et là, voilà une nouvelle fois. Light. Roll, light, et là il va pas s'arrêter, hein. Il sait très bien qu'il peut faire que ça. Là par contre le crush counter il va rentrer, double crush counter et l'anti-air. 2-1 pour Luffy, c'est à 3. Oh il est chaud, il fait son panko. Il fait une fou, par terre carrément. C'est un fou, c'est un malade. Ah ouais Ryuk c'est comme ça, il fait son panko tu vois, il a pas le temps. Et c'est parti pour ce quatrième round. Ah bah là, ah là il a pas intérêt hein, après ce qu'il fait. Ah là, le Ponko il le fait, il assume. Mais là c'est chaud Ryuk, hein, c'est vraiment chaud. En tout cas il est plutôt bien parti pour le moment. Et là c'est Red Bull Luffy hein, qui a pu un peu poser d'ailleurs avec ses quelques shops qui lui posent assez facilement derrière. Une shop, deux shops, trois shops. Le stun qui augmente pas un peu, du coup maintenant c'est Ryuk qui met la shop. Là c'était le back throw, du coup c'est Red Bull Luffy qui se retrouve dans le corner droit, qui fait une nouvelle fois le reversal pour esquiver justement ce vitrillard. Redescend en croix une nouvelle fois, il va mettre le combo, malheureusement la VMP il va pas rentrer. Là c'est la part de Ryuk qui va rentrer, le HK, le BMP qui va rentrer, là ça va attaquer malheureusement, bien entendu. Temps de mettre la garde, ce reversal, la chop SP qui va tuer ce round là. Et là t'es pas bien, là Ryuk il est pas bien, là il est pas bien. Il a dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis déshabillé. Là donc c'est parti 2-1, là ça fait 2-1 et grosse balle de match pour Luffy, hein. Il manque plus que ce round là et ça fait son 3-1. En tout cas la roll qui rentre plutôt tranquillement avec le coup de fesse. Voilà il va provoquer même une chope dans le vide, malheureusement ça a mal été puni. Et là c'est Reka pour sortir de ce corner et d'ailleurs ça va même rentrer et faire assez de dégâts. Ce vertical redescend en HP et retrouve la garde pour mettre le Reka. Cette fois-ci maintenant c'est Red Bull qui se trouve dans le corner et là c'est chaud pour lui. Hein. J'ai mis plus Luffy, c'est Red Bull qui se trouve dans le corner. Et là, ça va être chaud pour lui avec le LK et. Non, pas du tout. Hein. Ce HP Reka en X une nouvelle fois. Par contre, il va se retrouver. Oh là 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 là. C'est Shop SP. 3-1. Pourquoi tu t'es déshabillé? Pourquoi? Pourquoi? Ramasse. Eh oui, faut pas le chercher celui-là. C'est bien, c'est bien. 3-1. Bien joué, bien joué. Ah ben y a pas le choix. Y a pas le choix, c'est comme ça. Y a un perdant. Aïe. 3-1 pour Red Bull Luffy. Et du coup, pour la winner une nouvelle fois, Genius face à White Black. C'est donc parti. Allez, gros.
Ah voilà, faut pas parler avec lui, faut pas. Il a parlé tout à l'heure. Bah oui. Genius face à White Black. Birdie face à Ken. FT2 en cette loser bracket. Milchi Genius face à CDV White Black. Qui va sortir définitivement de ce tournoi? C'est ce qu'on va voir. Hein. Birdie en tout cas face à un Ken. C'est donc parti. Birdie qui va commencer directement avec une banane hein, et l'HK en crouche en tout cas par la suite. Pour bien commencer, la chaîne qui va rentrer, qui va ramener derrière son adversaire, le dragon qui a été bourré, du coup bah, il se fait avoir logiquement avec un beau petit combo par la suite. La petite chose P qui va être whiff, hein, bien entendu, hein, beaucoup trop loin. On est bien d'accord, hein, on confirme ça. Là le target, il va mettre le Tatsumaki par la suite, double bas MP à Doken. Il va mettre quelques LP, la chaîne AX qui va juste venir gratter son adversaire. Hein. Malheureusement, ça va pas. Il n'y aura pas d'ouverture de garde, il n'y aura pas de HK de sortie pour ce Ken. Là une nouvelle fois, il va mettre quelques normaux, le Vred qui va rentrer, le crush counter hein, avec le HK. Et là, ça va mettre le dragon par la suite. Redescente, même pas du tout. Non, tranquille, il va rester dans le corner et c'est Ken qui revient le chasser avec un Tatsu pour passer de l'autre côté, histoire de reset un peu. Mais malheureusement, Genius a trouvé la feinte assez rapidement. Ah, il met la garde directement pour le petit déchop. Et là, par contre, il a A2 et se fait avoir un front jump. Et là, voilà, t'as pas le droit de sauter. Hein. C'est chain entière directement. C'est très très bien trouvé ça quand même d'ailleurs. Là voilà, faire front jump MK, target MK HK et mettre le dragon par la suite. Hein. Il n'a vraiment pas le choix, il va peut-être recommencer. Non, le MK est rentré, le HK non, c'était beaucoup trop loin. Et là il essaie de sortir Badhammer, c'est le crush counter Valiette qui va se manger le birdie. Birdie qui se trouve dans le corner droit, qui réussit quand même à choper en back throw son adversaire. Le HK qui va juste mettre en garde pour le moment. Par contre voilà, là il est pas bien parce que là il essaie à chaque fois d'attaquer mais se fait avoir. Et du coup vous voyez, voilà, il va faire double coup de boule X, cancel V-trigger, il recommence une nouvelle fois, passer derrière lui et mettre la chop. 1-0 pour Milchi Genius. Si ça continue comme ça va être très rapide hein. Il y a peut-être un counter ou pas du tout. Ça va peut-être rejouer le même perso. Ça rejoue le même perso, pas de counter de la part de White Black. Ça va rejouer Ken. Là, Genius qui essaie de feinter justement cette chaîne entière pour choper. Il va juste, voilà, tout simplement faire un petit dash avant, faire la chop spé assez tranquillement derrière. Voilà, crush counter avec le Bashka, ça, c'est Birdie qui va se le manger. Le target combo suivi de sa Doken, il va run, faire quelques BMK. Le HK qui va rentrer, d'ailleurs, cet overhead va rentrer à merveille. Le dragon, par contre, était assez safe, hein, car justement, ce Birdie a sauté au même moment, du dragon. Là, par contre, cette banane qui va empêcher à... Ah si, bah va juste de disparaître de toute façon. Le petit plongeon qui va s'arrêter juste en face, malheureusement, voilà, c'est pas bon du tout. Hein. Target MK HK, c'est sûr et certain que ça rattrape avec le dragon. C'est très 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 rapide. Les petits front jump une nouvelle fois avec ce Tatsu qui a QLP. Va se faire back throw. Là c'est le Ken qui se trouve dans le corner. Une fois que le Ken se trouve dans le corner, il a du mal vraiment à faire un front jump. C'est très vrai que ce Birdie a beaucoup d'entières quand même. Petit glissade, quelques MK, quelques normaux pour empêcher son adversaire de sauter. Ça c'est très bien de la part de Genius qui essaie de maintenir tout ça. Mais il se fait pousser quand même en pushback au fur et à mesure de se manger des dégâts. En tout cas en block stun. Et là le Birdie qui va avancer peu à peu, mais là il se fait choper. Hein. C'est à son tour maintenant. Là c'est Ken qui réussit à choper Birdie assez tranquillement. La tienne qui a été qui est très fatée d'ailleurs. Par contre voilà, au bout d'un moment, il faut plus attaquer. Hein, car là il y a le super
armor sur ce skill X, double coup de boule de Birdie. Voilà, BMK, Doken, Cancel V-Trigger, le Light Tatsu et bien entendu le Dragon par la suite. Birdie qui se trouve dans le corner, le Light Tatsu qui passe en fait devant. Et là, une nouvelle fois, le stun qui commande pas à peu, zéro vital. Joshua reste stun, mais là, pas stun. Par contre, il se lève avec cette chauve-spé, coup de boule en X. Et là, il revient. Non, il pourra pas jogger, malheureusement, c'est beaucoup trop loin. Ça va jouer sur le normal. On verra bien en tout cas ce qui va se passer. La chain X qui va être balancée. Ça va pas toucher en tout cas. Et là, ça va être chaud. Le LK. De Ken qui va tuer un partout. Ça va être la balle de match du coup. Troisième match en CFT2. Grâce à cet équilibre de ces deux joueurs, hein, tout simplement. C'est chaud, pas de counter, hein, ça relance même directement. Là, le Ken qui va à dos une nouvelle fois. Junus qui va profiter pour faire des empty jumps, hein, surtout pas attaquer pour ne pas accroître sa range, car s'il fait ça, il est susceptible de se manger un dragon de la part de Soken. Et là, voilà, il va rester un peu tranquille avec ce HK qui va rentrer en garde pour le moment. Et là, le cross-up Tatsu, la glissade est restée juste en face. Et là, voilà, il avance assez sereinement pour mettre ça. Et là, il empêche de sauter avec cet overhead, hein, qui est pas juste overhead, qui empêche aussi à son adversaire dans le corner de sauter en multi. Et là, voilà, il va mettre le HK. Et là, une nouvelle fois overhead, HK une nouvelle fois. Peut-être une fois. Oh, là, par contre, il va faire dash avant, hein, sur cette chaîne X. Ça s'est quand même bien trouvé. Et là, que va-t-il faire? Même pas. Il a essayé de counter. Counter une deuxième fois. Par contre, j'ai même crush counter avec le Tatsu à la fin. Le Berdy qui se trouve dans le corner. Et il va se faire choper tout simplement dans ce corner gauche. Et ça va donc lui donner sa balle de match à White Black, plus que ce round, et c'est terminé, hein, tout simplement, pour Genius, hein, car nous sommes en loser bracket. C'est des matchs de loser bracket. Là, on va mettre l'overhead, le HK qui va toucher de loin. Double tap, hein, dans les airs. Par contre, il avait même essayé de sortir un skill. Malheureusement, il se fait arrêter une nouvelle fois. Le stun qui augmente peu à peu. Le Birdie qui se trouve dans le corner, qui va se faire presser à l'infini, hein, avec tout ça. Par contre, il réussit quand même à déchoper. Hein. Par contre, voilà, voilà son stun qui va redescendre assez tranquillement. Le banana time, il le repousse même dessus. Et là, c'est pas bon parce que la garde est totalement présente. Hein. Du coup, il va mettre le dragon, hein, par la suite. Le Tatsu cross-up qui va rentrer. Et là, le combo qui va pas rentrer, malheureusement. Birdie qui va s'en profiter pour activer son V-Trigger juste après cette glissade. Et d'ailleurs, ça a même rentrer. Et là, que va-t-il faire? Il va faire devant, derrière, histoire de provoquer peut-être un pif de son adversaire. Malheureusement, ça va pas rentrer. Et du coup, c'est le juggle. 2-1. Et la sortie de Genius, du coup, face à White Black. Le feu, ça c'est Ken. Du coup, on enchaîne avec Verdoyance et son Birdie face à la Rimika de Ryuk. Et ça, c'est de la loser. Un petit verre d'eau, s'il te plaît. Le petit setup. Ouais, c'est qu'il y en a trop au bout d'un moment. Ouais, pas tant que ça. Toujours en loser bracket pour un FT2. Ryuk face à Verdoyance. Donc ça va être Birdie face à Rameka. Le verre d'eau. Merci. C'est donc parti, et ça commence rapidement déjà, avec un beau petit crush counter, hein, de la part de Verdoyance. Le petit HK, malheureusement il ne faut pas attaquer derrière, mais là il réussit quand même à mettre tout simplement son LKMK, comme à ses habitudes. La petite chop spé qui va rentrer,
Elle avait repoussé, elle a arrêté quand même ce skill axe avec un simple light. Et là c'est Birdie qui se retrouve dans le corner droit, qui se trouve presque même pressé. Le Reka qui va sortir de la part de Ryuk, qui va-t-il faire dans ce corner? Le LP redescend avec le HP, ouverture de garde. Par contre le deuxième HP là, n'est pas rentré. Il y a peut-être activation de ce V-Trigger en tout cas. Quelques LP, décale shop une nouvelle fois. Là le centre qui monte pas pour Birdie qui d'ailleurs qui redescend hein, car il a réussi à choper cet Amika par la suite. Voilà, coup de boule X. Et là par contre c'est totalement safe par la suite à l'annulation de ce V-Trigger. Par contre là faut faire attention sur ce setup. Très très bon setup de la part de Ryuk. Très très bien joué. Et du coup cette Mika qui va voilà qui va empêcher à Birdie de boire sa canette avant de la balancer. Et là elle va mettre la belle petite roulade par la suite. La ouverture de garde, elle va mettre double coup de boule X. Hein. C'est donc parti pour la banane. Là voilà une nouvelle fois cette HP qui va pas rentrer hein, malheureusement. Là, il va faire front jump HP. C'est parti donc pour le setup avec l'avant MP. Il repousse contre le mur. Le Reka X. Hein. Le Birdie qui se trouve dans le corner. Qui va-t-il faire redescendre avec l'HP qui va juste whiff. Mais il met quand même que le normal LP. Hein. Là, du coup, le shop, une nouvelle fois, ça va juste whiffer. Il trouve cette ouverture de garde avec ce hit. Du coup, il va vite mettre le double coup de boule. Il va remettre la shop par la suite. La Hermika qui sort du corner pour échapper quand même à ce pressing infernal qui va se manger une nouvelle fois. Faut faire vraiment attention à ça. C'est donc parti, hein, le petit front jump en MK. Et là, ça va jeter la chain assez tranquillement. La front jump avec le hit une nouvelle fois. Le stun d'Emika qui monte super vite. Hein. Et là, c'est même déjà le stun. Hein, avec ça commence directement avec un front jump avec le kick. Et récupération en juggle avec cette chain entière pour récupérer tout ça. La petite banane juste en face, histoire que Emika n'avance pas, ne presse pas, ne sort même peut-être même pas de Reka en fait, hein, tout simplement. Et là, une nouvelle fois, voilà, c'est Hermika qui va réussir quand même à choper. Elle a essayé de sauter. Hein. C'est son bel cas, en tout cas, de ce birdie pour éviter de l'empêcher. Par contre, ça mange beaucoup trop de Reka. L'entier, hein, très très bien joué. Là, c'est Hermika qui se trouve dans le zéro vital et se fait choper en chain X. 1-0 pour Verdoyance. En cette loser bracket, c'est en FT2. C'est donc parti. Hein. Du coup, il va vite pousser encore une nouvelle fois son adversaire, le Badhammer qui va vivre pour le moment. Il est de ça que c'est MK, bah, il n'y aura pas de suite. Hein. Banana time. Ah, il a quand même réussi à l'avoir. Hein. Du coup, il va vite réussir. Bah, tout ça, même, continue son combo avec cette banana. La shop qui a été whiff et qui a été puni, mais très gentiment hein, de la part de ce birdie en tout cas. Et là, une nouvelle fois, voilà, il va juste MP, le pousser au corner droit. Maintenant, Nadeshko recommence avec l'avant MP, le bas HK, le MP, le crush counter, le bas MP, et c'est le stun. Du coup, ça va être redescente HP, le combo. Hey, ça le pousse une nouvelle fois, reposer sur le mur. Et là, ça va être un peu pourri hein, pour lui. Hein. Il a tellement stressé, tellement de pression qu'il en craque. Avec ce double coup de boule X pour s'échapper de cet enfer, hein, tout simplement. Et là, il n'était pas serein, il a préféré utiliser celle, il a dit j'ai pas le choix, il faut que je sorte de ça, sinon je vais me faire avoir à l'infini, surtout face à une Hermika. Une fois qu'elle t'a dans le corner, c'est complètement terminé. Et voilà, les deux, hein, les deux utilisent leur V-skill. Là, Hermika qui a perdu quand même pas mal de vie en ses débuts de round. Qui va quand même réussir une nouvelle fois à rentrer ce AVMP. Là, je sais pas pourquoi il a mis roulade juste après l'AVMP, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le stun est complètement présent. Redescend HP, non, pas du tout. Il a été bloqué avec l'entière de la part du birdie. Le petit HK qui allait sortir. La shop SP, là par contre, c'était très 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 dommage hein, car le stun était complètement présent pour birdie. Et là, une nouvelle fois AVMP, le HK qui va sortir. Et ça recommence avec les setups de Nadeshko. Là, ça part de l'autre côté et ça va peut-être terminer avec ses. Critical Art. Un partout. Ça donne donc un partout. Un troisième match, une nouvelle fois en ce FT2. C'est donc parti. Ryuk hein, qui va faire un front jump. Qui va peut-être limite même pas attaquer, hein, qui a réussi en tout cas à choper derrière tout ça. Et là, une nouvelle fois, voilà, ça va jouer quelques normaux en tout cas en dessous. Quelques jeux de foot 6 pour le moment. Le petit front jump hein, qui va rentrer, ça serait bien joué de la part de Birdie qui va enchaîner une nouvelle fois avec ce 3 de combo coup de boule. Et se mange quand même en ouverture de garde hein, sur Reka X. Le HK en crush counter, hein, il va être juggler avec le LP. Du coup, il va riser son adversaire. La HP de ce Birdie qui a été totalement whiffé. Du coup, bah, c'est punition hein, tout simplement. HP
et ça redescend. Combo Knadeshko, bien entendu, ouh, qui va même whiff. Et du coup, c'est la chop. C'est abusé. Le pauvre Verdoyance. Les setups sont totalement présents. En tout cas, le plongeon qui va s'arrêter juste en face une nouvelle fois. Le plongeon, c'est vraiment dur à placer hein, quand son adversaire fait un dash avant ou recule. Au dernier moment, ça vif tout simplement et on se mange grosse punition. Alors, en tout cas, Ryu qui va réussir une nouvelle fois à rentrer ses avant MP. Et quand l'avant MP rentre, c'est le setup qui rentre logiquement. Et là, une nouvelle fois, voilà, il va essayer de HK. Par contre, voilà, il va mettre le Reka en X et se faire choper une nouvelle fois en back throw. Pousser le Birdie au corner droit. Le Birdie qui utilise une nouvelle fois ce skill X. Et ben, ça rentre à garde. Hein, et quand ça rentre à garde, c'est pas safe. Et du coup, il se fait avoir à son tour par le skill X Reka de la part de Ryuk qui rapporte ce FT2 2-1 et sort Verdoyance de ce tournoi. L'annonce pas tout de suite, mais en fait, tout le monde veut voir Green contre Genius. Mais du coup, on va le mettre sur la grosse après la finale. On peut faire c'est pas les winners là-bas. Ah, ok. Il est en panique. Le mec qui va gagner. Hey, il est en panique. Paul n'aurait pas fait la fin pour enchaîner les matchs. Il a reçu le t-shirt. Hey, retire ton t-shirt. Hey, retire ton t-shirt aussi. Du coup, Ryuk face à White Black.